Surtout par rapport à demain, résultat du Jesse et proclamation de Rouya. Comment est-ce que vous attendez quelque chose? Ah bah demain, je vous dirai tout. Non, j'attends rien. Les élèves ont travaillé, ils ont fait des efforts. Et je pense que le moment est venu pour avoir les résultats. Bah demain, on fera la proclamation, on verra qu'elle se passe. Une petite question, enfin, je fais un papier sur ça. Est-ce que pour vous, la HEC, c'est aussi important qu'autrefois? Regardez, toute évaluation reste importante. Parce que on peut pas. Il faut, quand on fait quelque chose, il faut toujours être en mesure de dire si c'est correct ou pas. Vous me parlez de la HEC en tant qu'examen. Vous savez, à travers le monde, vous avez divers systèmes. Vous avez l'International Baccalaureate, le baccalauréat, mais tout ça sont des systèmes d'évaluation et tout dépend de la préparation que vous avez des élèves. On n'est pas figé, mais il faut toujours, si jamais on pense à des choses nouvelles, il y a une préparation à faire. On ne va pas changer du jour au lendemain. Parce que les élèves qui sont en Form 1 cette année-ci, qui sont en grade 7 cette année-ci, prendront les examens plus tard, mais il y a une préparation, il y a tout le curriculum, tout ça, on reste à être vu. Moi, je pense qu'il n'y a pas de petit ou de grand collège et que les élèves qui travaillent et qui ont des aspirations réussissent toujours s'ils s'y mettent, s'ils font l'effort qu'il faut et s'il y a la persévérance. Un petit message pour les élèves qui sont angoissés peut-être? Il ne faut pas être angoissé, le travail a été fait, maintenant les résultats arrivent et à partir des résultats, vous allez déterminer quel parcours vous allez avoir pour le futur.